Des centaines de militants pour la défense des droits des homosexuels manifestaient hier contre l'annulation de la Gay Pride. Pour la troisième année consécutive, Belgrade a décidé de ne pas organiser cette marche des fiertés officiellement pour raisons de sécurité. En 2010, l'événement avait dégénéré en affrontement entre ultranationalistes et forces de l'ordre. 150 personnes avaient été blessées, des policiers pour la plupart. Cette nouvelle annulation est de mauvaise augure pour le représentant de la délégation européenne. Michael Davenport estime que la Serbie a une opportunité d'adopter les valeurs chères à l'Union, alors que des négociations en vue d'une éventuelle adhésion doivent débuter l'année prochaine. Mais ce n'est pas, selon lui, l'image que renvoie actuellement la Serbie à l'Europe et au monde. L'image dont parle l'émissaire de Bruxelles, ce sont ces tracts d'ultranationalistes hostiles à la tenue de la Gay Pride. Aujourd'hui, malgré l'annulation du défilé, plus de 6000 policiers sont mobilisés à Belgrade pour encadrer plusieurs manifestations homophobes prévues ce samedi.